Salut à tous, c'est Woodchuck et j'espère que vous allez tous très bien, en tout cas moi ça va impeccable comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve pourquoi. Alors je vais vous présenter le Plague des cas que je joue actuellement dans la méta actuelle, une version un petit peu à ma sauce forcément. On va directement filer sur la liste, sans plus attendre on est parti. A noter que j'ai changé de micro, là j'en ai acheté un nouveau vraiment qui est performant, je trouve, il est vraiment gros par contre, hein, c'est impressionnant. Euh, il prend quand même de la place, je pense qu'on m'entend quand même un peu mieux au niveau du son, c'est vraiment pas mal je pense à mon avis. Comparé aux autres micros que j'avais avant qui lâchaient au bout d'un an, quoi, qui étaient pas terribles, là je pense que celui-là il pourra me durer un petit moment. à la limite 3-4 ans, au moins c'est plutôt pas mal. Parce que là vraiment au niveau du design et tout du micro il est vraiment magnifique je trouve. Je sais pas si vous voyez bien, à la limite je vais vous le montrer un peu. Euh, donc voilà, c'est... Là pour l'instant il est sur trépied parce qu'au niveau du bras en fait ça tient pas. Mon bras ne tient pas, il, est... il était pas assez costaud parce que le micro est beaucoup plus lourd. Hein. Je sais pas combien il pèse là ça doit peser. Bah, vu de nez, franchement 3 kg, 3 kg, vite fait. Ou 4 kg peut-être, il est très lourd hein, vraiment. C'est un très gros micro avec le trépied compris, donc forcément ça pèse un peu. Donc voilà. Euh, je voulais améliorer tout simplement la qualité auditive de vos oreilles, hein, parce que là c'est un peu mieux, au moins quand je parle, on m'entend un peu mieux tout simplement. Donc là pour le coup qu'est-ce qu'on a dans la liste Est-ce que j'ai enlevé J'ai bien décalé. Je vais regarder juste. Parfait. Impeccable. Donc là du coup qu'est-ce qu'on a dans la liste du DK euh, Pour le coup on a les doubles bâtons du prima qui permettent de rajouter les cartes de peste. C'est important de blinder le deck de l'adversaire de cartes de peste. Parce qu'on joue les gardiens enchaînés qui peuvent sortir pour 0 de mana, tout simplement. Et c'est plutôt pas mal, hein. franchement, c'est même exceptionnel. On a de quoi aussi euh, mettre des cartes peste avec le Gvaldir. La Elia aussi, donc c'est plutôt pas mal. La peste ou le choléra également. Et pour le coup, on a de quoi découvrir encore des cartes peste. La fausseuse nécrotique est là pour ça. Euh, le Vizir aussi, l'institutrice. Donc c'est plutôt pas mal, très sincèrement. Et même le Prima aussi peut nous en découvrir en fait sur la rune d'impiété, par exemple, tu vois. Euh, après euh, bien sûr qu'on préférera la rune de sang pour tuer un gros serviteur, se rendre des points de vie, tout comme avec le Cerbère. On a quand même de la sustain dans la liste, c'est ça qui est bien. Et de quoi faire des AOE contre euh, les euh, chasseurs et paladins. Avec euh, Sectatrice, avec le Traître du Tombeau aussi. On a des râles d'agonie, comme je l'ai dit, hein, le Tassarion est superbe. Au-delà de ça, vraiment c'est une liste assez compétitive, je pense vraiment, qui peut vous emmener loin quand même, parce que c'est une liste qui est très stable. Moi je trouve personnellement, hein, même si c'est un nouvel archétype un petit peu, il euh, y a quand même des, des belles choses vraiment autour de cette liste au niveau de la, de la gestion de l'adversaire. Euh, au niveau de, des pestes, des cartes pestes, t'as les deux points de vie rendus, t'as le zombie 2-2 qui est sympa, c'est le moins bon malheureusement. Mais par contre, t'as la glace qui gèle carrément pour un tour limite. Alors là, c'est horrible, hein, franchement. Le mec est, est grandement ralenti par rapport au play qu'il avait prévu dans sa tête. Donc c'est très bien aussi de, de ralentir l'adversaire et de pouvoir le, le défoncer. Et Sylvanas aussi a l'intérêt parce que généralement, tu peux tomber contre des mecs qui jouent des titans ou des, des trucs assez gros, tu vois, assez massifs, donc t'en as besoin quand même, moi je pense, personnellement. Donc voilà, euh, maintenant on va directement filer sur du gameplay sans plus tarder, on est parti. Et on tombe contre un paladin. Hop, j'arrive, j'ai fait rouler un peu ma chaise sur le côté. Donc, du coup, un paladin, comment jouer contre lui Tout simplement, il faudrait choper Sectatrice ou un truc sympa. Déjà, ça, la main, ça me convient pas du tout. Même Vizir. Il me faut un T1, double. Ouh. Ah ouais. Bon, c'est pas mauvais. La petite arme serait sympa, tu vois, ou la rune forge directement. Mais l'arme directement qui vient tout de suite. Ah bah, j'ai. Top du top. Franchement, quand on demande une carte, on l'a, c'est magnifique. Donc, le démarrage est bon, je trouve. Malgré que des fois tu as un démarrage qui peut être un peu mieux dans le sens où tu viens faire euh, l'arme, ensuite euh, tac, t'as cette carte là, le Gvaldir, ensuite tu as la pioche avec toi ou la sectatrice surtout contre le paladin, c'est trop important parce que tu as besoin d'AOE pour passer les boucliers divins. Donc voilà, tout simplement, c'est juste ça. Est-ce que le paladin on est bon contre lui Oui, on est bon quand on récupère des, des cartes qui font des AOE. Le Cerber est compris comme une AOE parce qu'au final ça tape en serviteur adjacent donc c'est pas. Voilà, superbe. Ça j'aime, tu vois, ça c'est super. Pourquoi Parce qu'il va nous faire son boogie, euh, boogie sans fin là, sur le T2 pièce T2 euh, avec le boogie sans fin. Logiquement c'est ça, parce que tu peux faire une sectatrice derrière. S'il le fait pas, bah tant mieux pour moi aussi dans un sens. Ah tu vois, c'est sûr à chaque fois. Regarde, tu vois ça va être ça, c'est sûr. Ouais tu vois, à chaque fois c'est ça. À chaque fois, tu peux, tu peux en être sûr. De hein. toute façon c'est pas, euh, c'est pas moi qui l'invente. Hein. Là, c'est très bien. Oh, Elia. Elia, quoi. Elia. Là, on peut rentrer plus de dégâts que prévu, tu vois. Parce qu'on tape ici avec l'arme, on fait sectatrice. Et on envoie dans la tête, tête. Voilà. Et Elia sera ultra fumée. Faudra poser le Valdir au bout d'un moment. Des fois, on peut découvrir une carte, en fait, comme. Euh... Merde, je sais plus comment ça s'appelle. Le spell T1, euh... Vibe de la mort, je crois, c'est ça, La Vibe de la mort, qui permet de, de mettre le RAL d'agonie sur les serviteurs adjacents, tu vois. Donc là, t'as un RAL d'agonie pour les cartes de peste. C'est juste un petit tip, ce que vous, je vous envoie, en gros. La vague de la mort, on peut la découvrir sur quoi Sur Vizir, sur Instit, tu vois. Et même sur le Primus, mais c'est un peu loin, tu vois. Euh, donc là, il nous enchaîne un petit peu. Faut enchaîner la tête contre le Paladin, moi je pense. Hein. Même si la gestion me semble être bonne, on n'a plus l'arme. Euh, vu qu'on a Elia, bah, on va, va se permettre d'enchaîner la tête. Euh, au vu des dégâts qu'on a à rentrer, au vu des cartes peste déjà qu'il y a au fond dans son deck. Au vu des cartes qu'on pourra même remettre, on peut en mettre encore, voilà, tac, bim, encore, encore, vas-y. Non, dommage. Il est déjà à 17 points de vie, donc le, il lui reste, ouais, 3, 3 ici, hein, 3 morts-vivants, c'est énorme, hein, 3 morts-vivants. Une Frost et une Blood directement. Donc là, le Cerber sera utile. Hein. Euh, hasta alors, prochain tour, pareil, il sera utile à mon avis, Liadrine surtout, contre Liadrine. Ok, Avocate, c'est très bien joué pour reprendre l'avantage. Bam, euh, prise de trade avec lequel, comme ça euh, Ouais, comme ça... Comme ça, il perd la recrue. Euh... cerber est très utile. Mais c'est pas fini pour autant. Ah, c'est chiant là, tu vois, on a envie de jouer l'instite, mais c'est trop dur. Si on laisse la Liadrine en vie, c'est un massacre. Je préfère la jouer comme ça, voilà, et remettre le Gvaldir, même si c'est compliqué, tu vois. instite, j'aurais aimé la jouer. C'est très bien, on récupère une peste directement. Une autre ou pas Très bien. On a des morts vivants, donc c'est cool dans sa liste. Euh, des Blood Plague aussi, beaucoup de Blood Plague, on en a trois. Pour se rendre des points de vie, donc ce qui fait 6 points de vie au total. Surtout contre un paladin, c'est très bon ce genre de connerie. Cerber est utile, voilà, quand il enchaîne son petit truc, là, comme ça. Euh, il est très chiant, tu vois. Là, on le voit directement. Le Cerber peut rester en vie, hein. Si on tape dans la 1 à côté. L'instit est trop utile. Aïe, 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 aïe. Je vais quand même jouer le Cerber. Même si on a double instit, c'est génialissime, tu vois. Euh, en fait, on se donne un avantage avec le Cerber, tu vois. Ah, nickel. Top. Bah là, on le gêne totalement dans ses plays. Donc là, il est gelé. Et en plus de ça, là, un stit sera joué. On peut récupérer quelque chose de bon. Gros Gavoras, c'est très bien joué de sa part. C'est nickel. Euh... Le vizir est excellent. Excellent vizir. Euh... Je vais le faire, ouais. Je vais faire un steed. Est-ce qu'on a le buff Non, mais on a la peste ou le choléra. On a le Forge pour récupérer l'arme. Sinon, cela dit, on peut full tête avec du dégât. Ce qui est sympa c'est la peste ou le choléra parce qu'on remet encore, tu vois, ça peut remettre encore plus de dégâts que 4 dé de dégâts prévus mais là on fait 3, 4, 5, 5, euh, 6, 7, 8, 9, 10, au final la peste ou le choléra tu as plus de chances de l'étaler en fait, je vais t'expliquer pourquoi parce que tu as 2 de dégâts qui peuvent ressortir potentiellement derrière sur 2 cartes donc en fait c'est pour ça que c'est meilleur que de le laisser à un point de vie, c'est fort certes, de le laisser à un point de vie tu vois c'est très fort. Si on le faisait, certes, mais si tu le laisses à 2 points de vie, il a plus de chances de choper une carte peste, vu que maintenant il en a 9 dans son deck. 9 cartes peste, c'est énorme. Donc voilà. Maintenant, on a tout le, tout le panel de choix pour aller chercher le létal. On n'est pas forcément un deck à gros, parce que quand tu vois les cartes, au final, t'as quoi T'as le, le truc enchaîné, la, la cochonnerie à 11, là, qui peut nous coûter 0. C'est dangereux. Ah, il pioche, et en plus, prochain tour, il a plus de chances de piocher encore une carte peste, forcément, vu qu'il pioche beaucoup de cartes maintenant. Donc, c'est un peu, un peu tendu. Un peu tendu, soit. Comment le létal L'instit ou le vizir Ouais, le bâton du Primus en plus. Franchement, là, si on n'a pas un létal, euh, ça serait abusé, tu vois. Ouais, tu vois, explosion. On a l'explosion, admettons, pour nous sauver les miches, tu vois. Est-ce qu'on tente plus un stit maintenant Tu vois, c'est un risque énorme. Je tenterai plus l'explosion à la limite pour la simple et bonne raison que je peux trouver le létal ensuite. Je préfère faire explosion. Sur un board comme ça, je peux pas le laisser en vie. Je vais remettre encore voilà, une carte peste. Là, il est à un point de vie. Il y a full carte peste dans son deck. Je pense qu'elle l'étale. Voilà. Parfait. Donc voilà. Le paladin, on l'a bien géré. Encore, on n'a eu qu'une seule sectatrice en termes d'AOE. Donc c'était pas terrible. Mais là, ça, ça enchaîne très bien de toute façon. Ça enchaîne très bien ce genre de liste, c'est ça qui est parfait. C'est peut-être pas la meilleure liste, mais c'est une liste quand même qui est compétitive dans certains match-ups. Ah alors, paladin, bah dis donc, il y en a beaucoup. J'ai pas de chance en ce moment, il n'y a que du paladin. Donc la Elia, je vais la garder contre le paladin, je trouve que c'est pas mal, mais il faudrait du T1 à côté, si possible. Ou genre frappe pestiférée, c'est pas mauvais. Sectatrice, c'est pas mauvais. Larme aussi, waouh, larme en deux fois, waouh, 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 waouh. Wow. C'est un peu lourd, mais dommage qu'on commence pas en premier parce que larme en deux fois, tu vois. Après, on a le gardien enchaîné, on pourrait vite l'enchaîner aussi avec le gardien enchaîné. Petit jeu de mots à la con. Protectrice vertueuse, euh, c'était une erreur. Ok. Sectatrice superbe, superbe. Pourquoi Parce que je rappelle le boogie sans fin qui permet, voilà, de remettre la pression directement la carte peste, voilà, le, le gel. Bon, je préfère les morts-vivants contre le paladin, parce qu'en fait, les morts-vivants permettent de l'embêter, t'as des petites 2-2, en fait, qui prennent des trades, on dirait, on dirait que c'est nul, un peu dit comme ça, mais bon, la Frost Plague, c'est à certains tours que ça devient intéressant. Après, certes, ça m'est déjà arrivé de tomber contre un DK Plague, qui avait mis que deux cartes euh, Frost Plague dans mon deck, et le mec, en fait, moi, je les ai pioché, en fait, sur les deux tours successifs, et c'est ça qui m'a fait perdre, tu vois. Donc, euh, c'est pour ça que ce deck-là de DK... Deca... Plague, il est vraiment horrible dans un sens où tu peux les piocher euh, au mauvais tour, tu vois. Entre guillemets, dit comme ça, bon, c'est un peu bête, mais c'est totalement le cas. Ouais, je vais, je vais pièce. Je vais pièce parce qu'on a le vizir derrière. Je pense que c'est le bon choix, peut-être. C'est pas le me meilleur play en soi, mais ce qui permet vraiment de, de tuer ce jukebox un petit peu avec mon arme ensuite. En espérant qu'il n'ait pas un truc pour buff le jukebox, tu vois, pour m'empêcher de le prendre. Après, j'ai le vizir au cas où, tu vois, je fais exprès de pièces maintenant pour prendre l'avantage. Même s'il me fait un boogie sans fin que tout de suite, c'est pas trop grave, tu vois. C'est pas trop grave dans l'optique parce que là, on a ce qu'il faut quand même sur le bord, moi, je pense. La masse pour prendre directement sectatrice pour essayer de garder son jukebox en vie, mais aucun intérêt, Il faudrait que t'ailles dans la tête avec la 3-2. Enfin, ouais, ça... Ah là, voilà, c'est voilà, pas une erreur. Fallait aller dans la tête. Hein. Euh, du coup, gardien enchaîné, c'est très bien. Euh, bah écoutez, euh. J'ai envie de faire le vizir. Ou alors on pourrait juste Hero Power. Bah ouais, on va juste à la limite faire ça. On garde le vizir pour après. Aucun intérêt. Je, re... je fous mes dégâts. Je remets mon arme pour faire full, full. Euh, pour en fait réduire ce côté gardien enchaîné. Vu que là on l'a en deux fois. Donc forcément, c'est une bonne option, tu vois. J'espère en tout cas que vous m'entendez bien avec le nouveau micro, c'est vraiment un régal de vous faire une petite vidéo comme ça. Donc, gardien enchaîné, au plus vite c'est réduit, au mieux c'est. Donc, la LIA, ça va être un pétage de fion total. Tu vois, c'est l'importance du, du T4, celui-là, tu vois, traître des tombes, là, il est vraiment intéressant. C'est dommage qu'on l'ait pas eu. Par contre, oui, le gardien enchaîné, ça va faire très très mal. Euh, faut réduire un peu le board là, parce que là, masse disco, là, je, vais, je vais avoir un petit peu mal au cul, -cul au bout d'un moment gardien enchaîné voilà qui va me coûter 4 qui va me coûter euh, 3 ensuite et 2 ensuite si on attend un peu mais bon là ouais super nickel au bon tour là franchement sur le T5 parce que on rappelle euh, là il peut s'accélérer à faire des raies de lumière et des enfin là pour l'instant il n'a pas joué à cette carte de paladin mais il pourrait faire des trucs assez chiants on le voit tout de suite il joue un côté recrue donc admettons il peut bourrer le board de, de cochonnerie tu vois mandadal il pioche sous chef OK encore un autre T1 purée bah, dis donc, Pépère, qu'est-ce que tu me fais là Ah, bah là, il va me faire mal. Hein. Il aurait peut-être dû taper avant, par contre, pour buffer un des deux là. Ouais, t'as fait une erreur là. Dans un sens, mais c'est pas trop une erreur. Enfin, si, c'est une erreur quand même. Si, si, c'est une erreur. <laughs> Je suis un enfoiré. Euh, du coup, on va faire ça comme ça. Du coup, on va réfléchir forcément que c'est bon, tu vas te faire ça comme ça. Et ensuite, tac, tu réduis à fond. Euh, ton tes petits gardiens euh, des tombes, tu vois, enfin ton gardien enchaîné, pardon. Et ensuite tu les envoies, tu les envoies, bim, t'en perds un certes. Et euh, tu l'utilises pas, tu, tu préfères utiliser l'autre pour le garder en vie. On ne sait jamais, hein, tu peux taper avec euh, celui-là. Allez, tu en pioches, stopé là, parce qu'il y en a beaucoup dans ta liste. Euh, combien 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 cartes de plague. Il y en aura une dixième qui va s'ajouter, et peut-être même un peu plus avec les deux cartes-là. À voir un petit peu. Le vizir situationnel, la fausse on rappelle, c'est vraiment ouf. Régiment Non, pas régiment de bataille. Non, c'est bon. Allez, stoppé. Là haut tu vois l'importance de OE un petit peu. Hein. Traître des tombes et la sectatrice, on a le Cerber, C'est un top deck, forcément que c'est un top deck. Euh... Bah oui, de toute façon oui. J'ai envie de te dire oui, c'est un top deck. Bien sûr que c'est un top deck. Et normalement on a l'étal tout de suite en fait, pour la simple et bonne raison qu'on a trop de dégâts tout simplement. Donc voilà. Voilà un petit peu le deck plague. Qu'est-ce qu'il est régal C'est un régal à jouer. Hein. Franchement, c'est vraiment génial. J'adore. <laughs> C'est vraiment un deck d'enfoiré, mais on appréciera au passage. On aime bien les decks d'enfoiré ici sur la chaîne. C'est parfait. Donc du coup on tombe encore contre un paladin. Je sais pas ce qui se passe en ce moment, il y a beaucoup de paladins. Euh, c'est pas moi hein, vraiment qui fait les matchs. Hein. Je tombe comme ça par hasard. C'est euh, un par un. Frappe pestiférée est très fort contre le paladin, pareil. Ça c'est des cartes vraiment, tu vois, tu prends une dame Liadrine comme ça, bim. Une de deux qui se remet derrière. En marche, et en plus t'as le vizir, donc c'est très bien. Euh... A noter, ouais, bâton du prima est pas mauvais. De toute façon, Milligan c'est le meilleur. Hein. C'est le meilleur choix que tu peux avoir parce que tu prends le trade sur le bouclier divin ou sur une connerie. Euh, quand c'est sous chef, c'est bien parce que ça meurt directement. Tu vois, il peut remettre son bord derrière. C'est pas un problème. Tu reprends le trade à chaque fois avec ta tête. C'est excellent. Euh, par contre, à noter, qu'est-ce que je voulais dire aussi Chose importante, le paladin, faut toujours avoir une petite sectatrice si possible ou un traître des tombes. C'est pas mauvais parce que. Euh, tu peux envoyer là-haut, tu vois, et là ça rase tout, c'est ah bah, super génial. Franchement, je suis content de l'avoir pour après, pour la suite des événements. Donc, le Gvaldir qui sera posé logiquement, sauf si je dois intervenir avec, sur une dame Liadrine avec frappe pestiférée tout de suite. C'est situationnel, forcément, donc c'est le tour qui veut ça, c'est pas moi du tout. Hein. Mmh, à voir. Mmh, il joue rien, donc ok, il y a Tassarian, je pourrais pièce Tassarian derrière si jamais le mec ne joue rien encore une fois. Hmm, sinon, je devrais aviser un petit peu. S'il prend une Frost Plague, ça m'arrangerait maintenant. Dommage. Pour mettre Tassarian en fait de suite derrière. Ouais, on tombe que sur du paladin, c'est dingue. C'est dommage un petit peu. Cloche de service, c'est un big paladin ce connerie là Ah, si c'est le cas, euh... Pff, tendu. Tendu, mais pas impossible, c'est à dire qu'on peut l'agresser facilement. Surtout s'il vient à piocher, c'est positif pour nous, entre guillemets. Donc Tassarian, on va le poser directement, on n'a pas de temps à perdre de toute façon, il faut rentrer du dégât au plus vite. Il n'y a que 3 plagues dans son deck, c'est rien du tout. Il faudrait top deck une Elias si possible, mais bon, on ne peut pas tout avoir, tu vois, tout le temps. Après le vizir, vraiment, il est très costaud là, tout de suite. Le vizir, c'est... Même sans le, le cadavre, ouais, c'est un peu chiant. Il forge directement une carte, ok d'accord. D'accord. Ouais. Je m'en fous des sorts parce qu'au final j'ai l'instinct. Ouh. Ouais, mais la peste ou le choléra c'est pas mauvais, ça permet d'agresser. Après, t'as le. Je pense que les serviteurs, tu vois, plus cher c'est sympa. Mais ça dure qu'un tour, tu vois, c'est ça le problème. Tandis que là, faut rentrer des cartes peste, faut rentrer du dégât tout de suite parce qu'il se laisse faire en fait, tu vois. Il nous laisse faire totalement, là il est, il est vraiment. Ouais, il nous laisse faire, ouais, c'est abusé. Ok. D'accord. Est-ce qu'on a le létal Du coup on calcule 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. C'est dommage. Tendu. Euh, bah écoutez oui je vais tenter un létal hein, tout de suite. On n'a pas de temps à perdre parce que la, la plague en fait si elle est topée. S'il y a une plague qui est topée parmi les 5. Donc c'est à dire qu'on a une chance sur combien j'ai pas calculé. Mais logiquement ça peut le faire. Dommage. Dommage. Mais euh, toujours 2 points de vie. Hein. Toujours est-il que le mec a 2 points de vie. Il pourrait poser un vol de vie s'il veut. Mais 2 points de vie, c'est beaucoup trop bas. Tu, vois. tu le sens même. Le, le paladin comme ça, il est pas terrible. Hein. Terminé. 2 points de vie, ça représente une plague. On aurait pu avoir une chance. 5. On avait 5 euh, chances sur les 25 possibles. Hein. On arrive diamant avec la liste. Euh, je fais une dernière petite partie vite fait. Hein, et puis je dois filer ensuite. Donc voilà, j'espère que vous apprécierez le son du micro à sa juste valeur. En tout cas, vraiment, euh, bientôt il y aura un petit tournoi que je vais organiser. J'attends de voir un petit peu. Euh, la méta étant assez stable, je trouve, à l'heure actuelle. C'est ça qui est bien, franchement. Donc tu peux jouer tout ce que tu veux, c'est ça qui est bien. Enfin, tout ce que tu veux, dans la limite du possible, hein, attention. Hein. Tout ce que tu veux, mais euh, faut pas trop décoder non plus. Hein. Ah bah enfin, quelque chose de différent là, un druide, parce que du paladin, j'en pouvais plus. Nickel. Alors du coup, Tassarian, Baron, pas terrible mais je sens que si je relance ça je vais avoir des grosses cartes donc euh... ouais allez je relance quand même il faut quand même que j'aille prendre l'arme voilà l'arme arrive le prix voilà je l'avais dit prima c'est un peu lourd l'arme est terrible contre n'importe quel match-up de toute façon hein, d'entrée de jeu le bâton du prima ça, ça fait le, le café donc voilà à noter après le Gvaldir, certes c'est fort ensuite baron ou sectatrice ça dépend de l'adversaire et ensuite elia forcément elia qui vient qui vient prendre un peu tout ça pêle-mêle et tout défoncé donc voilà alors le bâton en deux fois bon au moins comme ça on est fixé hein, face à un druide euh, bah full full euh, plague hein. on enchaîne un petit peu ça donc la peste le sang qui part on va mettre plein de peste dans son deck si possible l'instit faudra la jouer de façon mais là c'est un peu lointain hein. après on peut faire aéropower, c'est pas mauvais tu vois tu perds pas ton tour pour enfin for forcément tu vois tu mets un de dégâts, c'est pas fou mais c'est toujours ça de prix avoir le druide on va dire bonjour. Ah gardien enchaîné. Donc ça annonce la couleur un petit peu. Ok c'est dommage que ça soit des blue de plague parce que j'aurais aimé des morts vivants forcément ou de quoi ralentir en fait pour l'instant. Donc c'est pas c'est pas fou mais bon c'est pas non plus nul pour autant tu vois. Ok c'est le dégât des sorts d'accord. C'est excellent. Euh, voilà, tac, on le tue quand même. Hein. J'ai pas envie que ça reste en vie cette connerie, hein. parce que deux dégâts enchaînés à chaque fois. On remet l'arme, on fait un stit. Voilà, on continue surtout pour réduire le gardien enchaîné au plus vite si possible, avant qu'il fasse son OTK. Il va devoir piocher de toute façon, donc là, on doit foutre euh, plein de plagues possible, hein. vraiment tout ce qu'on peut, tout ce qu'on peut dans son deck parce qu'il va beaucoup piocher le mec. Il va peut-être même essayer de brûler les cartes, peut-être à un moment. C'est là qu'on doit mettre du board, gardien enchaîné et tout le bordel, vous avez compris. Un style quand même, même si on a que Valdir, bien entendu. Qu'est-ce qu'on a Peur bleue, c'est excellent. C'est excellent, sinon t'as la frappe de givre qui tabasse assez bien, mais la peur bleue peut le ralentir et ça peut l'embêter, en fait, pour des tours assez précis, en fait. Parce que là, il doit poser déjà prochain tour ses serviteurs, forcément. Et moi, voilà, je récupère une peste. Allez, encore une autre ou pas Non, dommage. C'est déjà une bonne peste de récupérer, parce que ça nous permet d'avoir une petite 2-2 en plus, histoire de prendre des trades. Euh, voilà, par exemple, voilà, c'est là qu'il doit poser ses dégâts d'essor. Euh, il va en poser peut-être que encore un autre, mais pas. Attendez, non, non, non pas d'autre Ok, d'accord. Très bien. C'est là qu'on doit viser prochain tour, moi je pense. Je regarde un peu, je me concentre. Euh... La griffure, d'accord. Ok, oui, il a bien raison. Est-ce qu'on peut poser gardien enchaîné J'aimerais bien avoir la petite Elia si possible, le vizir. Le vizir peut se jouer, il est excellent maintenant. La découverte étant très bonne. Euh ouais, ouais ouais ouais. C'est puissant, c'est fort. Je prends cette cochonnerie. Attendez, attendez un petit peu, à la vibe de la mort va être posée sur le Valdir, en fait, ça va être un délire. Et du coup, je pourrais enchaîner. En fait, je vais mettre. Euh, je vais essayer de poser comme ça. Attendez, je regarde un peu. Peur bleu. Et je pourrais, en gros, voilà, placer mes dégâts. Forme aquatique. Euh, je sais que là, il y en a combien Du coup, 6, 7 avec euh, quand je vais taper. Donc, forcément, prochain tour, je pourrais peut-être poser cette cochonnerie là, tu vois. Mais euh, Peur bleu est excellent. Peur bleu est excellent prochain tour aussi. Parce qu'il a eu que deux serviteurs pour l'instant. Pourvu qu'il n'en pose pas de suite un troisième, ça m'embêterait un petit peu. Dans l'optique. Là ça va encore celui-là, c'est pas un dégât d'essor, donc je m'en fous un peu. Très bien, étreinte de la nature, c'est parfait, voilà. Il va réduire ses spells ensuite, donc attention. Il a pas beaucoup pioché pour l'instant, donc ça c'est un petit peu le point négatif qu'il peut avoir. Donc là on pose comme ça, on fait peur bleu directement parce que je trouve que c'est un bon compromis. Euh... Ça va l'embêter, le gros serviteur il sera obligé de le gérer. Voilà, tac boum, visir. Je le mets à un point de vie, c'est très bien. Je préfère prendre le trade comme ça avec lui, je voulais pas tuer lui directement. Donc là on a 6 cartes peste potentiellement, c'est ça, hein. logiquement c'est ça. 6 hein. cartes peste qui peuvent s'ajouter. On a le prima, le prima on rappelle c'est excellent parce qu'on peut découvrir une carte de sang ou un euh, pie ou givre forcément. Là c'est parfait, il récupère voilà, des points de vie surtout, c'est important pour ne pas crever sur un OTK potentiel. Euh, S'il veut pas gérer, bah, je continue de toute façon et j'aimerais bien avoir l'instit très bien. Il le tue, c'est parfait. Ce qui me permet euh, quoi du coup de placer encore des cartes peste dans son deck gratuitement. Vu qu'on n'a pas eu Elia, je me dis ça remplace totalement. Ouais, il le tue quand même, tu vois. Le Gvaldir est encore là, va-t-il le prendre ah, il prend le Gvaldir. Ouh, full carte peste. Ah, le mec il n'a pas peur hein. Prochain tour, ça va peut-être arriver en rafale. Hein. T'as des tours où des fois ça arrive très vite comme ça, c'est assez violent. Allez, la Hélia, stoppez, tu me files la Hélia et je suis content. Vizir, c'est pas mauvais non plus, tu vois. Peste ou le choléra ou des conneries comme ça, ou du bœuf par exemple, ou de la pioche aussi. Euh, je vais prendre de la pioche, je vais prendre de la pioche directement. Ah, du coup, Astalor, ok. Donc -dire encore, le Astalor c'est vraiment très bon. On a le Prima prochain tour, donc le Prima on pourrait arriver à faire quelque chose d'intéressant. Euh, on pourrait choisir, oui, de prendre du, du heal. Admettons de monter nos points de vie, mais aucun intérêt. A la limite, plus ça, alors, je dirais. Allez, au bim, voilà, tu récupères. Allez, un peu plus, stopper. Du gel aussi, stopper. Là, t'as des trucs, euh, mec. Il euh... ah, y a surtout des Blood en fait dans son deck. Il y a une seule Frost Plague, tu vois. Ah, ça va être compliqué, moi je le sens. Peut-on l'étaler maintenant Tendu. Bah Disons que l'étal pourrait su euh, arriver. Euh, il pourrait arriver dans le sens où il pioche ses, ses Frost Plague. Là, ça m'arrangerait. Il me fait piocher en plus, donc c'est cool de sa part. Ouais, ah, dommage. Ah. Hasta alors, ouais. Titan, on a le Prima, donc pour récupérer des points de vie là-dessus, c'est pas terrible. J'ai l'impression qu'il veut pas tuer le vizir, bordel. Donc ouais, éclipse lunaire, on est d'accord, voilà c'est normal. Pioche encore. Le fait qu'il pioche beaucoup, ça peut m'aider à récupérer peut-être mes, mes plagues encore une fois, hein, je rappelle. Donc là attendez, 2, 4, 6, 7, 1, 7, 8, 9. Il nous manque un petit truc. Hein. Ouais. Pourvu que ça passe. C'est dommage qu'on ait plus d'armes. Hein. Mais bon, c'est comme ça. Euh, pourvu que ça passe, j'ai mis de l'armure exprès pour euh, histoire de taunter. Allez. Ok, voilà, on est à 35 en tout. Est-ce qu'il a le létal potentiellement Il a eu que 2 de dégâts d'essor. Donc je me dis en fait, vu qu'il a eu que 2 de dégâts d'essor, c'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant en termes de dégâts. Donc c'est terminé. Il y a beaucoup trop de Plague en plus en termes de Blood Plague pour nous rendre des points de vie en fait Donc c'est ça le problème, on, rend, on récupère des points de vie à chaque fois en fait Donc euh, en plus il nous agresse pas des masses Donc euh, voilà franchement On a 8 Plague ce qui représente la moitié de son deck, plus de la moitié de son deck Donc franchement euh, pff, On est gagnant moi je pense Après voilà c'est... on peut mettre le Astalor Pas suffisant malheureusement pas suffisant, même si voilà, il pourra peut-être arriver à gérer, mais on a le Astalor derrière donc forcément c'est toujours aussi fort. De l'armure. Mmh. Ouais, bah écoutez, on est bien. Très bon deck, je vous le recommande très sincèrement si jamais vous avez les poussières pour le craft, hein, de toute façon. Donc voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je vous répondrai comme d'habitude, il n'y a pas de souci en soi, je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous surtout, et à la prochaine, bon jeu à tous. Mmh.